Je vais être sur des concepts généralistes. De films, on va beaucoup se baser sur les choses qu'on peut voir dans les films de start-upers, des films de 3 minutes, sur comment réussir sa vidéo et son pitch de présentation. Je rappelle que demain, vous rendrez deux choses. Vous rendrez votre ce qu'on a appelé dans les choses à rendre. Vous avez une vidéo, vous avez un document textuel de 5 pages. En tout cas, dans les rendus, c'est important qu'il soit bien, puisqu'il sera évalué en temps réel, quasiment le film, vu, etc. Et donc, il faut vraiment qu'il soit ultra pertinent. La conférence, on va faire deux temps. On va faire une partie stratégique, parce que c'est ça qui est important, et une partie pratique, une partie technique, pardon, parce que la partie technique, c'est celle qui va vous permettre de rendre quelque chose au bon format, regardable et diffusable, quand vos sujets ne sont pas confidentiels. Alors, on va commencer avec ça. Évidemment, c'est l'effet Bonaldi. On va aller dans PowerPoint et on va lancer ça. Est-ce que vous avez tous téléchargé ce fichier? Ok, vous téléchargerez ce fichier qui s'appelle Jingle Début, qui est fait pour être mis en fait au début de toutes les conférences, c'est-à-dire que de toutes vos interventions pour tous vos sujets. C'est-à-dire que si le film ne démarre pas avec ça, déjà, ça va être un peu compliqué. Il est téléchargeable dans la rubrique Documents de votre cloud, de votre application ou du Crunch. Pour ceux qui n'arriveraient pas à le télécharger, je vous rappelle que vous avez des espaces avec des prises réseau. Je vous rappelle les trois éléments du cadre des imposés en fait, du crunch pour la vidéo que vous devrez réaliser. Votre film devra faire, générique compris, 3 minutes. Vous allez voir que c'est déjà trop. Vous allez comprendre que c'est déjà trop. Il devrait y avoir un jingle de lancement, c'est celui que vous venez de voir, et vous aurez besoin d'y mettre un générique de fin. Et là, on vous a concocté quelque chose aux petits oignons. On vous a concocté ça. Qui est quelque chose qui va vous paraître absolument nul, puisque on a une partie animée, puis ensuite il n'y a plus rien. Et vous allez comprendre pourquoi. Ah, pardon, stratégie, c'est après. On va essayer de ne pas travailler à la cotorep. Générique de fin, partenaire. Et des écrous, des boulons, des engrenages qui tournent. Je ne suis pas mécanicien. Et ça tourne pendant 25 secondes, donc on va continuer à les regarder tourner. Non, l'objectif de ces engrenages qui tournent, à votre avis, ça sert à quoi? Eh, bien joué. Nom de l'entreprise, nom des étudiants qui ont travaillé sur le projet, titre du projet, etc., etc. Vous écrivez en blanc avec un logiciel dont on va parler tout à l'heure. Voilà, en blanc, en orange, mais des choses lisibles. Le blanc, je vous le conseille. On parlera un peu après typographie, couleur, pour essayer de faire des choses simples. Voilà. Donc ça, c'est le générique de fin sur lequel vous mettez toutes les informations. Alors, si on parle un peu stratégie, et qu'on reprend un peu les essentiels d'une vidéo de présentation, est-ce que vous avez déjà tous vu des vidéos de start-upeurs, de gens qui vont créer des start-up? Pas forcément. Vous pourrez vous en inspirer, on en regardera un à la fin. J'ai pris un seul exemple pour qu'on soit sur quelque chose où je me suis dit avec l'équipe vidéo, on va être quelque chose qui soit, on va prendre quelque chose qui soit réalisable par les étudiants du crunch, pas Spielberg avec des vues en drone, voilà, et des choses comme ça, des microscopes à balayage et des trucs. On va essayer de faire des choses simples. Alors, évidemment, on commencera déjà essentiellement par définir notre cible. La cible, c'est qui dans un crunch ou dans un événement? Là, aujourd'hui, c'est qui? Qui est-ce qu'on doit convaincre? L'industriel, l'entreprise, que votre idée, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'on, pour les autres, il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas forcément la cible. Là, on n'est pas sur une cible grand public. On va jouer la séduction, on va le voir. Mais l'idée, c'est de quand même bien définir quelle est la cible. Je parle à l'industriel qui m'a soumis la problématique, aux enseignants d'UTBM qui ne sont pas forcément du domaine de compétences. Mais en tout cas, on commence déjà en se disant à qui on parle. L'objectif, ça va être aussi de les toucher, ces gens. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes parti sûrement dans des solutions techniques ou des idées créatives autour de, alors le problème technologique, on va le résoudre comme ça, en innovant dans ce sens-là, etc. Ouais, mais si je regarde une vidéo de comment ça marche un moteur, je vais pas être touché par les choses. Ce qui va être important, c'est de se dire, ça me renvoie quelque chose d'intéressant. Ça me touche parce qu'il y a une petite musique qui est moins corporate que d'habitude, qui est un peu plus sens qui joue un peu sur la corde sensible, même si alors il y a des gens qui pèsent des locomotives.
Et un sujet, je dois peser une locomotive. Ah, c'est sûr qu'une petite musique entraînante, tout ça, c'est pas. Voilà. Si vous tournez votre sujet de manière un petit peu originale, vous pourrez mettre une musique qui va toucher les gens, qui va faire que l'industriel, les enseignants qui viendront évaluer votre sujet, seront touchés et se diront tiens, ça renvoie quelque chose en moi. Et si votre vidéo ne renvoie rien, c'est que voilà, c'est peut-être qu'elle est trop technique et que vous êtes parti dans quelque chose de trop technique. Bien sûr, vous allez travailler sur une vidéo courte. Si elle fait 2 minutes, elle fait 2 minutes. Vous n'aurez pas de pénalité. Je le dis devant la caméra et j'espère que les gens, les jurys et les évaluateurs seront clairs avec ça. Si elle fait 2 minutes, elle fait 2 minutes. L'essentiel, c'est qu'elle envoie les informations essentielles. Je vous rappelle qu'une vidéo perd 54% de son audience après 50 secondes. Parce que l'industriel, au bout de 50 secondes, il déconnecte. Voilà. Le but, ça va être qu'il reste jusqu'au bout des 3 minutes ou des 2 minutes. On fait simple, on ne va pas chercher des images sur Internet, on ne va pas mettre des schémas 3D hyper compliqués avec des couleurs qui ne sont pas regardables. On fait simple, une vidéo facile, compréhensible. Vous n'êtes pas des réalisateurs, vous êtes dans une école d'ingénieurs, vous êtes des créatifs, parce qu'on vous demande d'être créatifs pendant ces 3 jours. L'idée, c'est de faire quelque chose d'ultra simple. Et puis, vous allez essayer de raconter une histoire. Ah ouais, ça va être une vraie nouveauté, quoi. Alors nous devions travailler sur la pompe X24 qui devait permettre un débit d'air de X kilotonnes à la seconde. Et donc nous avons choisi le problème technique. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez essayer d'être un peu plus prolixe, raconter une jolie histoire autour de votre projet. C'est complètement l'idée du pitch. Alors, à la différence des équipes start-upeurs et des équipes d'explorateurs et experts, les start-upeurs pourront raconter l'histoire de la composition de leur équipe. Je pense à l'équipe L'Oréal, qui travaille sur qui a eu le L'Oréal Men Expert, qui a fini deuxième. Ils pourront raconter une histoire de comment s'est conçue leur équipe, etc. Faire du... Comment ça s'appelle, ça? Raconter une histoire. Du storytelling, merci. Donc, ils pourront faire un peu de storytelling. Vous, quand vous êtes retrouvé au Crunch avec une équipe qui vous a été envoyée le dimanche soir, avec, en plus, un sujet le lundi matin, vous ne serez pas obligé de raconter toute l'histoire, mais du démarrage, mais en tout cas, vous pourrez raconter la suite. Quoi. De quoi on est parti et jusqu'où on est allé? De la feuille blanche sans Internet, jusqu'à la solution que nous demandait l'industriel ou le partenaire avec qui on travaille. Restez sur cette idée simple d'une idée égale une vidéo. On met une seule idée, on raconte une belle histoire et normalement on s'en sort. Ça, c'est le concept et chacun de ces éléments, quand vous allez storyboarder, quand vous allez travailler sur votre projet de film, vous aurez de petits courts-métrages. Dites-vous, est-ce qu'on a touché les gens? Est-ce qu'on a défini notre cible? Est-ce qu'on a fait une vidéo courte? Est-ce qu'on est simple? Est-ce qu'on raconte une histoire? Si vous répondez déjà à ces problématiques-là, ce sera déjà carrément bien. Alors, pour faire une vidéo de pitch, là, l'idée, c'est que vous pourrez vous démarquer de ce que je vais vous inscrire ici, puisque l'idée, ce n'est pas qu'on ait 150 films identiques, avec la même chose, etc. Mais l'idée, c'est qu'on a pensé avec l'équipe vidéo aux principales étapes à respecter. Alors, pour nous, d'abord, on pose une problématique. Pendant 20 secondes, on dit pourquoi, quel était le problème, quelle était la difficulté. Alors, on va essayer d'utiliser des mots positifs toujours. On ne pose pas un problème, on pose une problématique. Et on essaie d'expliquer un peu en quoi, voilà, le sujet, de quoi le sujet traitait. Quel était l'objectif de l'entreprise ? Sachant que l'entreprise, des fois, essayait d'amener une solution plutôt que de poser simplement la difficulté ou la problématique. Ensuite, on va expliquer en quoi votre solution va créer du changement. Quel risque d'être le changement, quel va être le changement de la chose que vous allez proposer. Ça, c'est un peu du teasing. Hein, c'est-à-dire que là, on a quelque chose à résoudre. Là, on va teaser un peu sur voilà, l'ambition qu'on a pour la réussite du projet. Et puis ensuite, on va démontrer l'intérêt et prouver la solution. On va se dire en 45 secondes, voilà. Alors si on regarde bien, là on est à un peu plus d'une minute. Et on démontre la preuve et l'intérêt de la solution. Et puis, quelque chose de très important, à la fin de votre vidéo, l'impact devra être ultra fort, c'est-à-dire qu'on va faire une invitation à l'action. Et l'invitation à l'action, c'est quoi dans une vidéo à la fin, à votre avis ? On va agir sur quoi? Quel est le but de cette pastille violette? Ils achètent le produit. D'autres choses?
Si vous travaillez sur une solution connectée pour une boîte, il s'invite à envoyer sur le Facebook de l'entreprise, le site web, etc. Donc, ce qu'on appelle le call to action, et c'est aller sur le site web, s'abonner à une page, inviter à acheter. Voilà, à la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie et qui dise, voilà, en gros, si vous regardez des produits innovants qui sortent, quand on présente des produits innovants et que vous avez tout ce qui est crowdfunding pour vous vendre la prochaine caméra 3D qui fait du live, etc., et qu'elle sort un an après, vous aurez le bouton acheter en avance et ensuite vous aurez l'invitation à l'action qu'il ne faut pas oublier. Alors, dans les possibilités qui vous sont offertes, est-ce que vous avez un peu une idée des possibilités qui peuvent vous être proposées pour le crunch en termes de typologie de vidéos ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Ouais. Ouais. Alors là, tu parles d'un logiciel de montage. Hein. De réalisation vidéo, ouais. Par exemple. Ouais, ça peut être une idée. Est-ce que vous avez vu les petites vidéos qui sont sorties avant le crunch ? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Du motion design, merci. Le motion design, c'est quoi ? C'est simplement l'idée de dire, on n'utilise pas de photos, on prend des petites illustrations vectorielles. Vous connaissez des sites gratos d'illustrations vectorielles ? FreePic. Alors, tout le monde fait du FreePic, le Festivité fait du FreePic, la com de l'UTBM fait du FreePic. C'est normal, c'est gratuit. Et du coup, l'idée, c'est des petites animations. On verra le film que je vous projetterai à la fin. C'est un film qui est complètement en motion design, qui est ultra simple, qui peut être fait à base de logiciels complètement faciles à utiliser. Donc, effectivement, on a le motion design. Comment vous pourriez présenter la solution technique que vous avez à proposer autrement que par du motion design ? Pardon ? Une idée ? Alors, on pourrait le proposer avec un speaker. Bonjour, je viens vous présenter. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine. Je suis présentateur, je fais un film qui parle du produit en me montrant moi. Donc, c'est l'idée du speaker. Ça, c'est une autre piste. Il y en a plein. Hein. Je vous en ai mis trois parce que je pense qu'il faut un peu se raisonner en termes d'horaire. Et puis, vous avez le reportage. Le reportage, c'est le grand classique. Voilà, il peut y avoir de la voix off, il peut y avoir un speaker qui parle au début. C'est un peu un mélange de tout. Il peut y avoir un schéma technique qui explique un peu les choses de manière très simple. On n'a pas oublié le terme simplicité. Et ça peut être fait aussi sous forme d'un reportage. Voilà. Ça, c'est les trois principales options qui peuvent vous être proposés. On va essayer de parler un petit peu technique. Alors, en technique, vous allez en police et en typographie. On va vous demander de rester hyper simple en partant sur des polices sans sérif, donc sans empattement, des polices basiques, des polices bâtons. Ça, c'est une police sans sérif. Et on vous en a listé trois qui sont hyper simples et qui marchent à tous les coups. Arial, Calibri, Taoma. Partez sur des polices comme ça. La police du crunch, elle est téléchargeable, si je ne dis pas de bêtises. Elle s'appelle Gobold. Elle est gratuite, elle est téléchargeable sur Dafont, si vous la voulez. C'est une police sans sérif, avec plein de tailles de graisse différentes. Donc la graisse, c'est est-ce que c'est gras, est-ce que c'est pas gras, est-ce que c'est ultra bold, méga bold, etc. Ça, c'est, voilà, vous pourrez travailler sur ces problématiques-là avec ces polices. Arial Calibri Taoma, Gobold, qui est la police du crunch. Pas plus de trois tailles de police par page. Ça, c'est vraiment, on essaie de se cantonner à ça, c'est important. Et pas deux polices différentes par page. On reste sur une seule police d'écriture. Alors, niveau musique, alors la particularité du crunch, c'est que beaucoup de sujets vont être confidentiels et ne sortiront pas sur les internets. Ou alors, c'est que vous n'avez pas bien lu les notions de confidentialité qui étaient assignées avant de participer au crunch. Mais l'idée, c'est que moi, au Pays des Bisounours, en tant que DIRCOM, j'aurais vraiment rêvé d'avoir les 160 vidéos sur ma chaîne YouTube. Enfin, sur notre chaîne commune YouTube. Mais en fait, on ne pourra pas. Donc, l'idée, c'est qu'on va quand même essayer de faire l'exercice en utilisant des musiques au maximum libres de droit. Et on va se mettre ça comme cadre de manière impérative. Je vous ai mis deux sites dans lesquels vous allez trouver de la musique. Il y a Jamendo et ccmixter.org. Notez bien les références.
C'est des sites qui font disposer de musique libre de droit. Vous ne vous embêtez pas la vie. C'est sûr qu'avec un bon Daft Punk derrière votre petite vidéo de projet, derrière votre belle vidéo de projet, ce serait plus sympa. Mais sauf que ça ne joue pas dans le jeu. Voilà, mettre la musique de Drive, c'est super bien quand on vend des amortisseurs, des pneus et des châssis et des trains roulants. Mais voilà, on va vous demander de faire l'effort de choisir la musique. C'est ici que la difficulté commence. Hein. Le film, le projet en lui-même était compliqué. Le film, c'est aussi une autre paire de manches. Au niveau des voix, alors vous allez être assez surpris par ce slide, puisqu'on va vous donner les différentes possibilités. On a listé les possibilités d'enregistrement vocaux, puisque vous allez sûrement faire une voix. Alors évidemment, vous allez prendre la voix la plus sexy de l'équipe. En tout cas, celle qui, ou homme ou femme, pas d'avis sur la question. C'est juste la voix qui a le moins d'accent franc-comtois. Hein. Les étudiants se sont beaucoup moqués de Ghislain Motavon hier soir sur les internets, de son accent de Montbéliard avec des relents jurassiens. Mais il roule les R, effectivement. Donc, trouvez la personne dans votre équipe qui a le moins d'accent ou de typicité locale, sauf si vous travaillez sur un projet de choucroute et que vous avez besoin d'une voix alsacienne rassurante. Voilà, mais dans l'idée... J'ai pas d'avis, hein. Ça peut être une potée franc-comtoise avec un vrai accent du Jura qui roule les airs et qui fait du vélo. Mais dans l'idée, essayez d'avoir un accent le plus neutre possible. Je suis montbéliardais, hein. Je me permets de vanner ma propre culture. Alors évidemment, ça paraît bête et méchant, mais n'enregistrez pas dans la piscine ni dans la fosse. Vous enregistrez dans un lieu calme. Voilà, ça peut être les coursives, ça peut être les toilettes, ça peut être plein de lieux comme ça. Soyez innovants. Vous pouvez utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone. Ça marche pas mal en qualité. Vous pouvez bien sûr utiliser votre ordinateur. Il y a des systèmes d'enregistrement de son basiques qui marchent très très bien avec votre bécane. Quand vous avez des bécanes, et là vous n'avez pas besoin des internets, sauf pour télécharger des musiques sur Jamendo. Vous pouvez utiliser les coursives qui sont à peu près calmes, mais préparez bien vos textes avant que vous n'ayez pas à passer 1h30 dans la coursive. Et puis le top du top. Sauf qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué parce qu'on a fermé les accès extérieurs de l'Axone parce qu'il y a eu pas mal trop de rentrées et de sorties. Le top, c'est la voiture. C'est l'endroit idéal d'enregistrement quand vous n'avez pas un studio chez vous ou dans un crunch. Parce qu'en termes de réverbération, il y a très peu de réverbération. Le son est vite étouffé. Et du coup, on peut enregistrer assez facilement. Voilà. Mais toujours pareil, on écrit bien ses textes et puis ensuite, on a juste à les dire dans sa voiture. Outils de montage disponibles. Est-ce que vous savez tous déjà sur quel logiciel vous allez monter ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement perdus sur le montage ? 1, 2, 3 personnes, 4 personnes. Alors, on vous a fait une liste à la Prévert de tout ce qui existe. Alors, on va commencer par les logiciels gratuits. Lightworks, qui est préconisé, qui est vraiment le logiciel préconisé pour le crunch, pour les montages, pour ceux qui ne disposent pas d'outils de montage adéquats. Premiere Pro, qui est l'outil idéal, Final Cut si vous êtes sur Mac et que vous avez Final Cut, iMovie si vous avez iMovie, Sony Vegas, attention aux problématiques de sortie de Sony Vegas, vous ne sortirez pas, et Movie Maker, faites gaffe, vous ne sortirez pas forcément le format de votre choix. Donc ceux-là, ils sont un peu à... il faut vraiment faire attention à Sony Vegas et à Movie Maker. Mais bon, ils existent. Après, vous sortiront des petits formats, des fois 640, 480, etc. Faites attention au format de sortie. Pour les Warriors, on a découvert hier soir qu'on pouvait monter des films avec VLC. Voilà, si vous avez envie de monter un film en ligne de code, c'est tout à fait possible et ça se fait avec VLC. Et alors, pour les novices, parce qu'on veut planter personne et parce que c'est important de rendre un film de qualité, et que c'est quand même important de rendre un film, on peut faire des films avec PowerPoint. Vous pouvez faire du motion design avec PowerPoint. Vous n'allez pas faire les mêmes vidéos que pour le crunch, les génériques que vous avez vus hier soir, mais vous pouvez, si vous êtes vraiment en galère, utiliser PowerPoint. Vous faites un export vers vidéo, et ça vous exportera votre présentation PowerPoint en vidéo avec les animations. C'est la solution la plus basique pour les novices. Voilà, il n'y a pas de honte, hein, on peut monter avec avis de composeur, etc. Mais on peut aussi monter avec... On peut essayer de faire quelque chose avec PowerPoint. Sur les formats de rendu, on va vous demander du 720p ou du 1080p de préférence. Ça se définit au début du projet. C'est-à-dire que si vous commencez à monter en 320 par 240,
C'est des formats qui existent peut-être plus, je passe pour un vieux ringard, mais à l'époque, on montait en 320-240 et puis ensuite en 720, etc. Et aujourd'hui, on est en 720p ou 1080p de référence. Attention au temps de rendu. Si vous montez en 1080p, vous allez doubler votre temps de rendu. Pour un film de 3 minutes, j'espère que vous avez des machines qui supporteront la charge. Mais on ne sait jamais. Donc les fichiers devront être rendus en 720p ou en 1080. Standardisez vos nombres d'images par seconde. Ça, c'est pareil, ça se définit au début du logiciel de montage. 25 ou 50 images secondes. Ne passez pas par des espèces de 60, des 100, etc. Ça ne sert à rien. Passez par des choses basiques. Le format final, s'il vous plaît, fournissez-nous un MP4, un point MP4, en H264. C'est le format de compression MP4. Normalement, ça devrait passer sur tous les ordinateurs de la Terre. L'essentiel étant que votre film soit reconnu par le logiciel VLC que tout le monde connaît, qui a été inventé par les... Est-ce que vous savez par qui ça a été inventé, VLC ? Eh bien, c'est des ingénieurs comme vous, sauf qu'ils étaient dans une autre école, un peu moins prestigieuse que nous, parce que voilà, mais Centrale Paris. Faut vanner, hein, je suis directeur de la com de l'UTBM, pas de Centrale Paris. Dans l'idée, VLC, ça a été développé par des ingénieurs de Centrale qui participent au FFNJ tous les ans. Et le but, c'était une chaîne câblée dans Centrale pour diffuser pour s'auto-diffuser les films et diffuser sur des écrans d'affichage dynamique. C'est là que est né VLC. Donc VLC, ça reste la référence en lecture. Si on lit avec VLC, c'est que c'est bon. Taille maximale de fichier, 1 giga. Alors si vous arrivez à produire un film en 1080p d'un giga, ce qui ne sera pas très compressé, normalement, enfin il me semble, je parle sous le regard des spécialistes qui font des films d'une heure trente, à plusieurs centaines de gigas, je pense. Mais en tout cas, l'idée, c'est dépasser pas un giga. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que demain... je vous expliquerai après pourquoi. 1 giga. Matériel, préconisation pour les tournages. Alors, on a déjà eu des demandes de GoPro, de trucs et tout ça. On n'a pas de quoi fournir une caméra par équipe. Donc, il va falloir vous contenter de. On a 3 GoPro à prêter. Ok, bon, ça marche. Mais vous avez tous dans vos poches un outil de tournage qui permet des choses. Alors, vous n'avez peut-être pas tous un 6S, mais voilà, vous avez peut-être au moins un 5. Un 5, vous pouvez tourner en 1080. Le seul truc avec un téléphone, c'est filmer dans un endroit lumineux, ne bougez pas, c'est-à-dire que votre téléphone, vous le fixez, vous le bloquez, voilà, vous ne courez pas après le présentateur, vous ne le tenez pas à bout de bras au bout d'un quart d'heure, parce que même si j'arrive à plus trop bouger, ça vibre quand même. Donc, préconisation pour les tournages en matériel, téléphone portable stabilisé, bah ouais, effectivement, stabilisé, ça veut dire posé quelque part, etc. Pour ceux qui ont des GoPro, et pour ceux qui n'ont rien du tout, on prêtera des GoPro. Et puis, vos appareils photo numériques pour les tueurs qui ont un réflexe, un 5D Mark IV avec des optiques de ouf ou une RED épique. En tout cas, des grosses caméras. Mais l'idée, c'est, voilà, faites simple. Et vous verrez que la vidéo que je vais vous montrer à la fin... Fait dans la simplicité, Seb, on est bon niveau timing, on est complètement à la rue. Ok, merci. À partir de maintenant, au niveau support technique, vous allez pouvoir solliciter l'équipe du JT que vous avez vu hier soir. On a un mécène qui s'appelle TimeProd. Si vous êtes en galère de montage, si vous voulez être sûr, vous nous sollicitez via le bureau des compétences. On viendra vous aider. On ne va pas vous laisser dans la misère, donc on enverra les gens dans la fosse pour venir travailler avec vous. Vos rendus, alors ça c'est la partie qui pique. Demain, les uploads depuis les ordinateurs en filaire dans la coursive, si vous n'arrivez pas à uploader, enfin si demain le réseau Wi-Fi... Enfin bref, demain vous allez uploader en filaire dans la coursive, ce sera plus facile. Et puis impérativement, vos éléments seront mis sur des clés USB dans les pochettes. Dans les pochettes, vous rendrez votre film, votre rapport, qui sera dans la clé USB bien sûr. Et puis vous le remettrez au bureau des compétences entre 14 et 16 heures. S'il y avait un problème d'upload, parce que en fait vous avez deux zones d'upload en câble, une au catering qui est au bout de la salle, et puis une là où il y a la bibliothèque, je crois, porte 20, où il y a un système de réseau informatique pour uploader vos fichiers. À partir du moment où c'est intégré dans vos clés USB, ça devrait mieux se passer. Alors, la petite vidéo d'exemple que je vais vous montrer, alors elle est en anglais, hein, pardon ? On répondra à la question juste après. Pas de souci. J'espère que ça va marcher. C'est une vidéo toute mimi qui ne dure pas longtemps, mais qui franchement voilà, est une excellente démonstration pour un film du crunch. Saving. Saving. You do it, right? Kinda. Not really. Yeah, not really. Who can blame you? It's boring.
and requires all kinds of planning and stuff. But what if it was automated and also smart? Seriously, when you link Digit to your checking account, Digit studies your spending and income history to predict your cash flow, and then checks in daily for savings opportunities. Digit sets small amounts of money aside that you don't really need for your day-to-day expenses in a way that you won't notice. A few bucks here, a few bucks there, and it adds up. That money now sits in your FDIC-insured Digit account. Digit sends you regular texts to fill you in on how much money has been saved. If you want some money back from Digit, just send a text. Boom, done. Your money is there next business day. Digit automates your savings so that you don't have to think about it or notice it happening. That's it. Sign up for Digit and enjoy the rest of your day. Voilà. Il y a trois formes. Il y a de la voix off, il y a une petite musique sympa. Et avec ça, vous faites le taf. Alors après, je n'ai pas de locomotive ou de gros trucs roulants à peser, de choses comme ça. Mais en gros, dans l'idée, voilà exactement ce qu'on pourrait attendre d'un petit film du crunch pour un pitch.